Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Monster Hunter World sur PS4. On va donc tout de suite continuer en faisant le Zora Magdaros pour la deuxième fois. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que oui, j'en vois très bien. Donc nouvelle quête, on va regarder ce qu'on a comme quête déjà. Contrat, ça c'est normal, en libre. Je les ferai un peu plus tard cela. On va aller tout de suite faire la mission de niveau 6. La rivière éternelle, une tâche colossale. Très bien. Voilà comment nous allons procéder. Le Zora Magdaros se déplace à l'aide de ses galeries souterraines. Il passera ici d'un moment à l'autre. Si on le laisse filer, il nous échappera définitivement. C'est pourquoi nous sortons l'artillerie lourde. Voici le Dragonator. Nous l'utiliserons pour forcer le Zora à se diriger vers la mer. Il nous foncera dessus à toute vitesse. Vous devez donc le fatiguer et contrôler sa trajectoire. Soyez implacable. C'est bien compris ? Ça marche ! Autre chose. Attendez-vous à ce que le Nergigante soit encore de la partie. S'il nous gêne, arrêtez-le à tout prix. Le succès de toute l'opération repose sur vos épaules. Je compte sur vous. Pars en éclaireur et préviens-nous dès qu'il arrive. Il est déjà là. Tous à vos postes! À vos ordres! Gardez votre sang-froid et battez-vous jusqu'au bout! Il ne doit pas s'échapper! Chasseurs, nous devons affaiblir le Zora Magdaros au maximum! Une fois sur son dos, attaquez-le de toutes vos forces! Détruisez les cœurs pour l'affaiblir ou essayez de faire tomber certaines de ses stalactites sur lui! On a placé des charges de poudre à canon sur les stalactites. Utilise ta fronde pour les faire exploser. Tu peux y arriver. Sois prudent. Ok. C'est bon. On est sur le Zora Magdaros. Affaiblis le Zora Magdaros en détruisant ses cœurs de magma. La réussite de cette opération dépend de notre capacité à affaiblir notre cible. Ouais, attends. En ton temps.
Alors, voici le premier. Cœur de magma localisé. Allez, allez. Et là. Non. Mais c'est pas vrai, quoi. Parce qu'il a bougé, putain. Ah, ça me fait chier. Oh là là là. Bien. Montre-moi ce que tu vaux. Où est le perchoir? Il est là-bas. Où est le perchoir? Ah là là là. Non mais... Oh, cette reine aussi. Tiens, j'ai pas vu. Rien tiré. Putain.
Oh là là. Ouais, allez, je suis prêt. J'ai rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai échoué la quête, hein, je sens. Miner un truc comme ça. Ah non, pas. La Zora Magdaros se remet sur ses quatre pattes. Il continue à avancer. Fais attention. Oh bordel. Là, le jeu il commence à devenir difficile. Vraiment très difficile. J'en profite pour prendre tout le minerai. Hein. Écoutez-moi tous, c'est bientôt l'assaut final. Chasseurs, affaiblissez le Zora Magdaros au maximum. Tous les moyens sont bons. C'est notre dernière chance. Si le Zora Magdaros franchit ce barrage, tout est perdu. Pourquoi? Par ici!
Ah, vas-y. Montre-moi ce que tu vaux. Ok. Je veux juste un tir de canon là. Montre-moi ce que tu vaux. Hé ! Ok. Hein, je peux pas remonter. Bah c'est mort. Rip. Rip, rip, rip. Je peux pas remonter, j'arrive pas. Au fond. Bon, c'est parti, on va charger. Y'a pas de stalactite en plus au-dessus. Oh le bâtard. Oh non. Il a détruit les canons. Fais chier. Utilise tous les moyens à ta disposition. Ah bah non, c'est mort pour la tour. La tour, il peut plus rien faire.
Allez. Je crois que c'est mort là. Alors, on repart ici. Ce bruit. Elle est longue cette cata. C'est pas ça que je vais faire. Okay. Mieux pour réutiliser. C'est fini. Oui. Et ça n'aura pris que 40 ans.
Oui. Grand-père. Bon. On rentre à la maison. Vingt minutes, ok. Donc on a une gemme, Zora Magdaros. Nice. Nice, nice, nice. Donc là, on est au 4-6 étoiles. Je sais pas si 9 étoiles c'est max ou quoi. On verra. Oh, 6 étoiles c'est déjà difficile. Alors qu'est-ce que ça va être, les 9 étoiles? Ouh, ça va être chaud. Hein. Ok. Hey, où est-ce que tu es? C'est stupéfiant. Ok. Qu'y a-t-il? Alors déjà, c'est là. C'est bien qu'il n'y avait pas d'armure du Zora Macross. C'est Chamblet par contre. Ah.
pas faire ça pour le Zoramater. Il manque juste une écaille calorifuge, tant pis. Un 12 pour monter niveau max. Ouh. On va go hein. En stock. Alors on a peut-être ouais. Quête. Alors enquête libre genre un petit paquet genre. Que je voulais regarder aussi. Pam para pam pam. Ouais, c'est là. Oh bah non, j'ai déjà vu. Pas de poison. Ok. Salut. Tu dois avoir des coups de pensée, toi. Pas de coups de lancer, mais les a où c'est quoi? Regardez ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le désert des termites? Pourquoi on doit aller là-bas? Ah, suite royale. Les méchants.
Allez, stylé cette zone, non. Peut-être débloquer un succès pour y être allé. Ah non. Allez, méga stylé. Un petit truc annexe, hein, mais je pense que je le fais. Alors, y a-t-il des bonus? Non. On va aller faire une expédition et on va voir ce que ça va donner. Il reste encore plusieurs zones. Ah, il faut peut-être battre le cupcake. Okay, d'accord. Je vois pas l'intérêt. Va être contre un peu cupcake quoi. Ça fait longtemps, pas vrai? Je propose qu'on fasse d'abord un tour dans les environs. Qu'est-ce que je dois prendre? Des plantes et des petits. Ouais, petit monstre, je pars. Eh ben, c'est qu'elle va faire la cascade, hein.
Ça alors ? Vise un peu ça. Un pouquet-pouquet ? Qu'est-ce qu'il fabrique par ici ? Ça, qu'est-ce qu'il fait là? Hé hey, on dirait les traces d'une Raciane. Attends, quoi? C'est impossible. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est bien un piquet pouquet. Il se comporte de façon étrange. Qu'est-ce qui lui arrive? Nouvel objectif. Devons chasser ce Pouquet Pouquet. Est-ce que j'ai une potion? Fais attention! J'ai pas de potion. La première fois que je dois utiliser son derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est bizarre. Raciane. Une Raciane quoi exactement? Une azur.
Allez. On va bientôt mourir. Hein. Non, on revient. Elle est où la racine? Je suis dans le poison. C'est pas grave. Est-ce que ça va? Allez, il est temps de faire notre rapport au commandant. Yeah. Ah, c'est peut-être pour les stuff supplémentaires, d'accord. On retourne au QG. Je vois. Très bien. Tout le monde est là? Bien. Dans ce cas, commençons sans plus attendre.
Depuis que nous avons résolu le mystère des dragons anciens, notre équipe sur le terrain a fait d'étranges découvertes. D'après les chasseurs, il semble que certains monstres quittent leur habitat naturel. Ils se mettent à envahir d'autres territoires. Pour ne rien arranger, de nouveaux monstres plus puissants ont soudain fait leur apparition. De nombreux chasseurs ont déjà été blessés, certains très grièvement. Je crois que la 5e flotte a d'autres infos à nous communiquer. En effet, on a récemment découvert des traces étranges dans le désert des termites. Je dirais qu'elles ont été laissées par une Rassiane. Il y a des similitudes comme la taille et d'autres traits qu'un... Les monstres deviennent plus... Je doute qu'il s'agisse d'une coïncidence. Que voulez-vous que nous fassions, commandant ? Notre boulot. Nous formons une commission de recherche. Alors cherchons. Nous avons deux priorités. La première, c'est de s'occuper de ces monstres. La deuxième, est d'explorer bien la zone. Et À vos ordres, commandant. Parfait. Soyez extrêmement prudents. Vous pouvez disposer. Ok. Ok, très bien. Sillonnez le continent à la recherche d'indices. Rassian ou pas, il faut trouver ce monstre. Écoute-moi. Allez, partenaire, il va falloir trouver des écofacts de notre monstre mystère. Explorons chaque région. Tu peux partir en expédition ou accepter une quête libre. À toi de voir. Ok, mais ça je le ferai. Je le ferai hors vidéo, jusqu'à ce qu'on débloque la quête. Donc en attendant, on va arrêter notre vidéo là, je ferai les détails. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était Zeus de la prochaine type en HD. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Et puis, j'ai vidéo.